Voici le complexe hôtelier Grand Memories Varadero. C'est un complexe qui a 960 chambres réparties dans des bâtiments de 3 étages. Nous pouvons voir ici des gens qui attendent en avant de l'hôtel pour partir à des excursions. Donc maintenant, nous rentrons dans le grand lobby. Donc c'est l'endroit, le premier endroit que nous arrivons. Juste au fond ici, c'est à cet endroit-là qu'on va faire l'enregistrement lorsque nous arrivons avec de l'aéroport qui est situé à environ 40 minutes. Par la suite, vers l'arrière, mais on peut se diriger à l'extérieur. Par là qu'on va pouvoir rejoindre le restaurant qui est le Grand Buffet. Et il y a aussi deux autres restaurants à la carte qui sont dans les bâtiments qui sont situés sur la gauche. On peut voir que la végétation est vraiment très belle dans ce complexe et très bien entretenue. Un des petits désavantages de cet hôtel, c'est que c'est tellement grand que la distance entre le lobby et la plage est d'environ... ça prend environ de 15 à 20 minutes de marche, donc c'est quand même très long. Si vous êtes chanceux, vous allez être en mesure de prendre des petits cars électriques pour vous rendre à la plage. Nous avons maintenant fait une petite marche et sommes rendus à l'embouchure de la plage. Donc, il y a un petit chemin pour se rendre à la plage qui permet de faire la séparation entre celle-ci et le complexe hôtelier. La plage de Varadero près de cet hôtel est magnifique, de sable blanc et d'eau turquoise. Donc, on va pas se le cacher. La majorité des gens qui vont là, c'est pour profiter de la plage et de la chaleur. Nous avions obtenu une chambre au troisième étage qui était relativement près de la plage, donc environ 5 minutes, mais quand même près de 15 minutes de marche pour aller manger au buffet et du lobby. La piscine est environ une dizaine de minutes. Attendez-vous à marcher beaucoup lorsque vous allez aller dans ce complexe. Fait intéressant, mais le soir, comme à la majorité des resorts de Cuba, il y a des spectacles et ceux-ci sont de bonne qualité. Je vais vous montrer quelques exemples. C'est quand même immense. À noter que bon, j'ai filmé ceci, il était 6h15 du matin, donc c'est la raison pourquoi il n'y a personne autour de la piscine. Puis il y a un bar au milieu de la piscine, donc il est possible de prendre un verre les deux pieds dans l'eau. Et il y a aussi de l'animation dans la journée. C'est pas nécessairement très calme tout le temps, mais c'est ça fait être agréable si on arrive suffisamment tôt pour avoir des chaises.
des aménagements autour de la piscine et tout au long du complexe font que c'est vraiment très joli comme complexe. Au niveau de l'animation, il y en a à la plage et autour de la piscine et les animateurs sont vraiment très sympathiques et font l'animation en plusieurs langues. Comme il y a de la population qui parle diverses langues dans ce complexe. Point de vue restaurant, nous avons le buffet principal qui est très grand, mais comme il y a beaucoup de personnes, vous risquez d'attendre un peu pour avoir la nourriture. Et malheureusement, ben, comme c'est souvent le cas à Cuba, mais c'est souvent répétitif, donc vous allez retrouver pratiquement la même chose à tous les jours au buffet. Et point de vue autre restaurant, mais il y a le Ranchon qui est situé près de la plage, donc c'est idéal si vous voulez pas marcher toute la longueur du complexe pour aller dîner le midi. Et aussi, il y a quelques autres restaurants à la carte qui sont relativement bons. Nous avons bien apprécié notre semaine passée au Grand Memories Varadero et principalement pour la magnifique plage, l'animation et la belle température que nous avions eue.